Salut à tous et bienvenue dans notre Tour de France Agricale des initiatives qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on est à Paris et on a rendez-vous avec la start-up Phoenix. Salut Léo. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Moi, c'est Léo, je suis chef de projet chez Phoenix. Phoenix, c'est une entreprise sociale qui a pour but premier de lutter contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire. En fait, on accompagne les entreprises, notamment la grande distribution, dans la gestion de leurs invendus, dans une optique de lutte contre, encore une fois, le gaspillage alimentaire et non alimentaire. Donc ça va passer par des mises en place de dons aux associations dans les magasins ou optimisation de celui-ci s'il est déjà mis en place. Une entreprise qui a des invendus vous contacte et vous les mettez en lien directement avec vos récepteurs. Voilà, soit elle nous contacte, soit on la contacte nous pour leur proposer nos services. Et on active notre réseau de récepteurs. Et aussi, on a une plateforme web qui connecte en temps réel la demande et l'offre, donc les émetteurs d'invendus et ceux qui aimeraient bien en récupérer. Donc ça marche un peu comme une plateforme mythique. Les émetteurs mettent leurs produits sur la plateforme et les récepteurs peuvent faire un peu leurs courses en fonction de leurs besoins. Alors là, on parle surtout d'associations d'aide alimentaire, mais on a aussi d'autres récepteurs de type ferme, parc zoologique, qui eux récupèrent les invendus qui ne peuvent pas être destinés à l'alimentation humaine. L'association La Main de l'Autre, qui est une association partenaire de Phoenix, qui va récupérer aujourd'hui dans un magasin partenaire des produits invendus. Bon, on va voir. On y va. Allez. Là, l'autre main, on va le mettre à part. Catherine, je travaille à l'association depuis plus d'une année maintenant. Il nous aide à avoir davantage de marchandises. Parce que quelquefois, les magasins sont gérés très bien. Nous, c'est pas bien parce qu'on a moins de marchandises. Les stocks, ça dépend, sont moindres. Alors, Phoenix nous aide à grossir nos stocks. La Main de l'Autre, c'est une association un peu historique de Phoenix. On travaille ensemble depuis presque le début, donc il y a 2 ans et demi. Et c'est une association qui intervient énormément sur nos magasins. Donc là, effectivement, au début, on les a contactés. On leur a demandé s'ils étaient intéressés pour faire des ramasses dans les magasins. Et ils nous ont répondu oui, et au fur et à mesure, quand on a des nouveaux magasins, on peut contacter soit La Main de l'Autre, soit une autre association et leur proposer de passer dans un supermarché ou un hypermarché. Léo, mission accomplie pour toi et pour Phoenix. Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de voir toute cette nourriture qui aurait dû être jetée, sauvée du gaspillage alimentaire? Bah, ça fait plaisir. On se dit qu'on a aidé des gens en sauvant un peu la planète, à notre échelle bien sûr. Et du coup, c'est vrai que c'est assez revalorisant. Bon, bah en tout cas, Léo, un grand merci de nous avoir fait découvrir Phoenix et vos activités. Ben, merci à vous, merci d'être passé, nous voir. Ben, c'est avec grand plaisir. Nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres initiatives qui luttent contre le gaspillage alimentaire.